Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes tombés, peut-être par hasard, sur une petite vidéo Minecraft faite par Unty00 avec 2 Y. C'est la toute nouvelle, elle sera toute courte. C'est juste pour vous montrer 2-3 trucs et vous poser une question cruciale. Alors, première chose, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, environ un mois ou 5 semaines, 6 semaines, je sais pas trop, en raison de travail personnel, voilà. En tout cas, je rentre maintenant dans une période qui sera peut-être plus propice à faire des vidéos Minecraft. Nous sommes en bêta 1.6.4 maintenant que je suis sorti d'hibernation. La bêta 1.6.4, en fait, elle est sortie hier, il me semble, quand je fais la vidéo, quoi, hier. Et il y a eu la 1.6, 1.6.1, 1.2, 1.3 et 1.4 le même jour. Plein de corrections de petits bugs faites par Notch, sympathique. Bon. Rapidement, les nouveautés de la 1.6. Je sais pas si je vais en trouver ici, mais on peut trouver de l'herbe sur certains blocs, des hautes herbes. Je sais pas s'il y en a pas trop loin d'ici, enfin bref, si on en croise, vous la verrez. Ensuite, nous pouvons faire une carte des lieux. J'en ai une ici, j'en ai fait tout à l'heure. Hop, voilà, on peut regarder, la carte se dévoile au fur et à mesure qu'on explore notre map. Voilà pour la carte. D'ailleurs, elle s'appelle map-0. J'ai pas vu d'endroit où on pouvait lui donner un nom. Vous me direz peut-être. Je pense que c'est pas possible. Autre chose, on peut faire. Ah, je me suis un peu éloigné là. On peut faire des trappes. Alors, est-ce que j'ai du bois? J'ai du bois. On va voir ça. Hop. On peut faire des trappes maintenant. C'est la première fois que j'en fais. J'en ai jamais fait. Je crois que le craft, c'est ça, il me semble. Voilà. Et donc, on peut placer ces trappes. Parfait. Par exemple, ici. Même 2 défilés, tiens. Les trappes s'ouvrent en cliquant dessus, comme une porte. Et donc, je suppose que si on loupe en dessus, on tombe. Exactement. Super. Voilà pour les principales nouveautés de la 1.6. Petite correction de bug, petit machin, bref. Autre chose que je voulais vous demander. Ah oui, non, deux choses. Premièrement, vous voyez le HD preview machin qui est sur l'écran qui fait chier le monde. Même s'il est un peu transparent, ça fait chier le monde. C'est parce que j'utilise la version gratuite du logiciel de capture d'écran. Donc si vous me montrez un intérêt suffisant, j'aurais peut-être envie d'acheter le logiciel pour vous permettre un confort optimal de visionnage de mes vidéos. Donc ça serait peut-être cool, et il y aurait aussi peut-être moins de bugs de mon côté, puisque la version démo est forcément moins stable que la version payante. Donc voilà, ça lag un petit peu parfois, bref. Deuxième chose, pourquoi ça lag? Parce que aussi mon ordinateur est très bien, mais complètement parasité par... plein de trucs, la mémoire est pleine, etc. Donc je vais entreprendre bientôt de tout nettoyer tout ça, bon, remettre à neuf. Comme ça marchera bien mieux. Vous pourrez avoir des vidéos sans lag et aussi une vision plus lointaine des choses. Parce que là je mets le brouillard au maximum pour que ça lag pas, sinon mon ordinateur il meurt. Voilà, parce que faire tourner le jeu et puis faire tourner le logiciel qui capture la vidéo et le son, ça fait beaucoup de mémoire. Et j'en ai pas beaucoup malheureusement. Voilà, ça c'est une chose de dite. Et oui, l'objet principal de cette vidéo, c'est de... là, je reviens donc pour faire des vidéos. Et j'avoue que j'aimerais savoir si vous êtes fan, si vous avez regardé mes vidéos sur la fontaine, sur le bateau. Vous pouvez aller regarder mes vidéos, je vous en serais très reconnaissant si vous ne les avez pas déjà vues. Mais je voudrais savoir si vous avez des idées de construction fun ou utile que je pourrais faire. Donc... vous les fans de ma chaîne, s'il y en a quelques-uns, n'hésitez pas à me faire part de vos envies, je sais pas, si vous avez des projets que vous voudriez me voir construire, je serais ravi si je trouve le projet intéressant de m'y consacrer, d'essayer de construire quelque chose d'intéressant et qui pourra, je sais pas, vous passionner. Et vous aussi vous donner de l'inspiration pour toujours créer plus de constructions Minecraft. Voilà. Que dire de plus? Rien du tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Et me servir de ma super nouvelle carte pour revenir à la maison.
parce que c'est quand même bien pratique pour ceux qui ne veulent absolument pas se servir du F3 pour voir les coordonnées, etc. Donc ça rajoute un petit côté aventure, même si... Ouais bon, il y en a qui diront que c'est facile, mais bon. Non, pas forcément. Voilà. N'hésitez pas donc dans les commentaires ou... Ah oui, autre chose. Si vous avez des idées ou si vous voulez tout simplement me suivre, je vais vous écrire sur l'écran, là, pam, ça apparaît. Magique. Mon Twitter. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter pour ceux qui tweetent. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ma maison. N'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter et... Bon, j'écris souvent des conneries, mais bon, ça fait pas mal, hein. Un petit peu de conneries dans le monde. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Voilà. Donc, je vous dis... Vous voyez ce lag? C'est horrible. Bref. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si j'ai une idée. Ou si vous me donnez une idée. À vous, les studios.